Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à une semaine, ou plutôt une semaine et un jour d'Halloween. Ça arrive enfin. Partagez-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont vos plans pour Halloween cette année, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai hâte de lire ça. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, pour cette Halloween 2022, j'avais envie de faire une spéciale cannibale et aujourd'hui, je vous ai concocté une petite histoire particulière. J'ai hâte de vous en dire plus, mais avant cela, je vais prendre quelques petites secondes juste pour vous parler des douceurs de Jika. Ça fait un petit moment déjà que j'ai envie de vous en dire un petit peu plus. Comme vous l'avez vu déjà sur ma chaîne et probablement aussi sur mon Instagram, j'ai lancé une collaboration avec les douceurs de Jika, qui est une entreprise artisanale québécoise que j'ai pris plaisir à découvrir l'année dernière, si je ne m'abuse déjà, ou alors début d'année passée. En tout cas, j'ai adoré leurs produits et j'ai rencontré Cathy, qui est un ange, avec qui on a parlé effectivement de cette petite collaboration. Je suis une très grande fan de tout ce qui sent bon. Tous les produits qui sentent bon, que ce soit des crèmes à main, que ce soit des sprays pour la maison, du parfum, tout ce genre de choses, et notamment les bougies. J'ai même travaillé dans un magasin de bougies pendant 3 ans, car j'adore ça. Je suis une passionnée de bougies. Et justement, c'est ça qui m'a fait craquer un petit peu, c'est les bonnes senteurs de leurs produits qui sont absolument incroyables. Ils sont aussi beau visuellement qu'il sent bon. Et je vais vous montrer quelques petits produits de notre collection qui, bien évidemment, est une collection spéciale Halloween, mais il va y avoir aussi des produits adaptés à chaque saison. Donc on va pas juste se contenter d'Halloween, on va aussi même faire, je vous le dis là en avant-première, des petits produits True Crime avec des petits couteaux, des petites choses comme ça. Restez à l'affût. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on a une bougie par exemple au thym et à la citrouille. Et mon Dieu, ce qu'elle sent bon! Je l'ai brûlée une fois, j'avais commencé à la brûler un tout petit peu pendant quelques secondes et j'ai arrêté parce que elle sent tellement bon. Je me suis dit, je veux la garder et surtout, je voulais la montrer lors de cette vidéo. Donc, ça y est, elle est montrée, je peux la brûler ce soir. Ce que j'aime en plus de ça, c'est que les bougies sont faites très souvent avec une mèche en bois qui crépite. Donc en plus de ça vous donne vraiment ce petit sentiment de réconfort. Comme un petit chalet, on est au chalet au Québec, c'est l'automne, les feuilles tombent, on a envie de se réchauffer avec une petite bougie. C'est un peu le feeling que j'ai quand je les allume. Et on a aussi des petits savons, comme vous voyez ici, un petit savon avec des citrouilles, magnifique honnêtement. Dans le fond, c'est une barre de savon avec deux mini savons à l'intérieur. Je le mangerai. Un de mes petits préférés aussi pour cette saison, c'est celui-ci que vous avez avec la petite toile d'araignée ici à l'intérieur du savon et les petites barres de cannelle. Donc les douceurs de Jika, ce sont des bougies, des savons, mais aussi des soins pour le corps. On a ici d'ailleurs un petit enveloppement pour le corps à la citrouille épicée. Citrouille épicée, j'adore. Vous avez aussi des petits sels de bain et j'en passe. La collection est absolument incroyable. Donc je vais vous inviter, si jamais ça vous intéresse, de jeter un petit œil à ça parce que ça en vaut vraiment la peine. Et comme je vous dis, les produits sont aussi beaux qu'ils sentent bon. Je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à me contacter moi ou alors Cathy. On va se faire un plaisir de vous renseigner si vous avez de plus amples questions sur les produits. Passons sans plus tarder à notre histoire du jour. Comme d'habitude, si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir de regarder cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous bien confortablement car on va commencer. Nous emmène directement en Corée du Sud et si je ne m'abuse, je pense que c'est la première fois sur cette chaîne que l'on parle de la Corée. Je pense. Faudra que je revérifie ça, mais je pense. Yoo Young-chul est né le 18 avril 1970 à Goshen County, qui est situé au sud de Séoul et en bord de mer. Il grandit au sein d'une famille d'ouvriers plutôt pauvre et pour ajouter à cela, ses parents se séparent alors qu'il n'est âgé que de 4 ans. Je tiens à préciser que Yoo est le nom de famille de notre protagoniste, son prénom est Young-chul, mais comme c'est plus facile pour moi de prononcer Yoo, c'est ça que je vais utiliser, et en plus de cela, dans tous les articles et les documentaires que j'ai retrouvés liés à cette affaire, je vois que en général, ils utilisent toujours le diminutif Yoo pour parler de lui. Donc ça va être Yoo, et je vais l'appeler comme ça tout le long de l'histoire. À la suite de la séparation de ses parents, Yoo et son père vont déménager à Mapo-gu, qui se trouve être un arrondissement de Séoul. Lorsque Yoo commence à aller à l'école, les choses ne se passent pas particulièrement bien pour lui.
Il a énormément de mal à se faire des amis et en plus de cela devient la victime d'harcèlement de la part de ses petits camarades. Venant d'une famille très pauvre, il n'a pas accès, comme les autres enfants de son âge, à des vêtements propres et neufs, à du matériel scolaire décent, et autant dire que son apparence devient très vite la source de moqueries, ce qui va énormément marquer Yu et va avoir un impact très important sur ce qu'il va se passer un peu plus tard dans ce récit. Il passe le plus clair de son temps à jouer de la guitare ou à peindre, et d'ailleurs, une fois qu'il a terminé le collège, il décide de tenter sa chance et de s'inscrire dans un lycée spécialisé en art. Mais malheureusement, n'ayant pas obtenu de bons résultats scolaires dans les autres matières, il se voit refuser son entrée dans ce lycée et est obligé d'aller dans un lycée général. Il s'est senti exclu toute sa vie, et cela de par sa pauvreté qui l'a éloigné totalement des autres. Et il en veut notamment aux personnes autour de lui ayant de l'argent et pouvant se permettre de vivre un train de vie qu'il n'a jusque-là jamais connu. Il commence alors à se tourner vers la délinquance, et plus particulièrement d'ailleurs le vol à l'étalage, pour tenter de se faire un peu d'argent. En 1988, alors qu'il est âgé de 18 ans, il se fait justement arrêter pour la première fois des suites de ses vols, qui sont très rapidement passés de simples vols de nourriture ou de vêtements à des vols de voitures. Et 3 ans plus tard, il se voit de nouveau arrêté pour les mêmes raisons et passe un total de 10 mois derrière les barreaux. Ce qui ne va absolument pas lui servir de leçon, car seulement 2 ans après sa libération, il est de nouveau arrêté et passe cette fois-ci 8 mois en prison. Une fois de retour en liberté, après ses 8 mois de prison, il se fait de nouveau arrêter, et cette fois-ci pour vente de pornographie infantile. Il sort de prison et 2 années plus tard, soit en 1995, retour à la case prison pour lui, pour un total de 2 ans cette fois-ci, et ce pour vol et utilisation d'une fausse identité. Autant dire qu'à sa libération en 1998, après son énième passage en prison, il a un casier judiciaire plutôt bien rempli. Et à ce moment-là, il n'est âgé d'ailleurs que de 28 ans. Entre-temps, en 1991, il s'est marié et est devenu père d'un petit garçon. Petit garçon d'ailleurs qu'il n'a pas beaucoup vu grandir au vu du temps qu'il a passé en prison. Mais ça n'est pas fini, car durant l'année 2000, Yu est de nouveau arrêté, et cette fois-ci pour le viol d'une adolescente de 15 ans. On en parle quand même à quel point à chaque fois qu'il est relâché de prison, il y retourne et toujours pour des raisons plus sombres que les précédentes. On peut clairement voir là que ses crimes sont en train d'évoluer avec le temps et pas dans le bon sens. Il se retrouve donc en prison, encore une fois, pour un total de 3 ans et demi, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, je trouve, et est libéré durant l'année 2003. Entre-temps, sa femme a demandé le divorce et est allée s'installer dans une autre ville avec leur petit garçon et a fait en sorte que ce dernier n'ait plus jamais de contact avec son père. En tout cas, s'il y a bien une personne qui n'apprend pas de ses erreurs, c'est bien Yu. Car une fois de plus, à peine libéré, il reprend sa petite vie de criminel et se met à extorquer de l'argent à des inconnus en utilisant de faux badges, se faisant ainsi passer pour un policier. Yu a été libéré de prison pour la dernière fois début septembre de l'année 2003. Et c'est le 24 septembre de cette même année, soit à peine quelques jours après avoir quitté la prison, qu'il s'introduit au domicile d'un couple. Lee Deok-soo, un professeur des écoles âgé de 72 ans, ainsi que sa femme Lee Eun-ok, âgée de 68 ans. Le couple possède une grande fortune et vivent une vie plutôt luxueuse. Ils ont d'ailleurs une grande maison remplie de biens de très grande valeur. Vu le passé de Yu en ce qui concerne le vol, on se dit là qu'il va s'introduire chez eux dans le but de leur voler leurs biens pour pouvoir se faire un peu d'argent. Sauf que malheureusement, à ce moment-là, comme vous l'avez vu, les crimes de Yu n'ont fait qu'évoluer. Et il a une toute autre idée derrière la tête. Le couple va alors se retrouver nez à nez avec Yu, qui s'est introduit dans leur domicile par une fenêtre laissée entrouverte. Et sans même y réfléchir à deux fois, Yu, qui était à ce moment-là armé d'un couteau, plante son arme dans le cou de Lee Deok-soo avant de s'attaquer à sa femme et de les matraquer chacun leur tour de coups de couteau et de marteau jusqu'à ce que le couple ne rende leur dernier souffle. Yu a pris un plaisir terrible à se servir du marteau et très vite cette arme va devenir sa marque de fabrique.
Il va alors tenter de faire passer les meurtres comme étant un cambriolage ayant mal tourné. Sauf que lorsque les policiers vont arriver sur la scène du crime le lendemain, à aucun moment ils vont s'imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'il s'agit là d'un cambriolage, car Yu n'a absolument rien volé. Il n'a touché à aucun des objets présents dans la maison du couple et a tout laissé intact. Les jours passent et les officiers de police n'ont malheureusement aucune idée de qui peut bien être le responsable de ce crime absolument atroce. Mais pendant que leur enquête avance, Yu, de son côté, est en train de planifier sa prochaine attaque. Et c'est le 9 octobre, soit un peu moins de 3 semaines plus tard, qu'il s'introduit de nouveau dans une maison d'un des quartiers de Séoul où vit une famille plutôt fortunée. À peine a-t-il pénétré à l'intérieur du domicile qu'il tombe nez à nez avec la grand-mère de la famille qui se trouve à ce moment-là assise dans le salon. Et d'un simple coup de marteau en pleine tête, il va lui ôter la vie. En entendant le brouhaha et les cris provenant de sa mère, la propriétaire des lieux qui se trouvait à ce moment-là à l'étage déboule les escaliers pour voir ce qu'il peut bien se passer et tombe à son tour nez à nez avec Yu. L'homme l'attaque alors à son tour et se met à la battre à répétition. Il lui demande ensuite si d'autres personnes sont présentes à l'intérieur de la maison. Et la jeune femme, totalement terrifiée et en pleurs, affirme à ce moment-là que son mari et leur fils se trouvent à l'étage. À peine a-t-elle fini sa phrase qu'il lui donne un coup de marteau extrêmement violent et continue de l'assaillir de coups jusqu'à être sûre qu'elle soit bien morte. Il monte alors à l'étage, mais contrairement à ce que la jeune femme lui a dit, son mari ne se trouve pas du tout à l'intérieur du domicile, mais son fils, lui, est bien présent. L'enfant souffre d'un handicap qui ne lui permet pas malheureusement de pouvoir s'enfuir, et Yu prend cela à son avantage et met fin au jour de l'enfant, exactement de la même manière dont il a mis fin au jour de sa mère et de sa grand-mère quelques minutes plus tôt. La famille en question, tout comme la famille précédente d'ailleurs, se trouvait être une famille fortunée qui vivait une vie plutôt aisée. Et pile une semaine plus tard, soit le 16 octobre, Yu pénètre à l'intérieur du domicile d'un couple de millionnaires. Il se retrouve presque immédiatement nez à nez avec la femme qui occupe les lieux. Et un couteau à la main, il la menace et lui demande de lui dire si quelqu'un d'autre est présent à l'intérieur du domicile ou s'ils sont seuls. La jeune femme va répondre être seule car son mari est actuellement en voyage d'affaires. Yu la traîne alors jusque dans la salle de bain où il l'assaillit de coups de marteau et de coups de couteau et laisse son corps à l'intérieur de la baignoire avant de quitter les lieux. Les policiers à ce moment-là commencent à comprendre qu'ils ont affaire à un tueur en série car tous les crimes se répètent de la même manière. Mais ils n'ont malheureusement aucun indice concernant l'identité du tueur car Yu est particulièrement intelligent et il prend bien soin à chaque fois de ne laisser aucune trace et pas le moindre indice derrière lui qui pourrait remonter jusqu'à lui. Et le 18 novembre, même scénario de nouveau, Yu pénètre au sein du domicile d'une famille plutôt riche et tombe immédiatement sur la gouvernante, Bei Jihai, une femme âgée de 87 ans qui tient à ce moment-là dans les bras l'enfant de la famille âgé de seulement quelques mois. Yu, comme à son habitude, a un couteau à la main et demande immédiatement à la femme de bien vouloir l'amener dans le plus grand silence jusqu'au propriétaire des lieux. La femme est totalement terrifiée, mais dans le calme le plus total, elle conduit Yu jusqu'à la chambre principale où se trouve le propriétaire des lieux allongé dans son lit en train de faire une sieste. Yu, sans y réfléchir, se jette sur l'homme et le poignarde à mort. La gouvernante est alors totalement pétrifiée, elle se met à crier et tente par tous les moyens de s'enfuir pour pouvoir protéger l'enfant qu'elle tient à ce moment-là dans les bras. Mais Yu est capable de la rattraper, de lui arracher l'enfant des bras, de déposer ce dernier sur le sofa et d'assassiner la femme de 87 ans. Il tente alors pour la première fois de voler de l'argent lorsqu'il aperçoit un coffre-fort. Mais lorsqu'il essaie d'ouvrir ce dernier, il se coupe au doigt et de façon plutôt profonde, ce qui laisse quelques petites gouttes de sang s'échapper et tomber sur le sol du domicile. Yu est alors totalement paniqué et ne veut en aucun cas prendre la chance de se faire arrêter de nouveau. Il décide donc de mettre le feu à la maison au complet pour éliminer tous les indices pouvant mener les officiers de police jusqu'à lui. Et donc de faire passer les morts de la gouvernante et du propriétaire des lieux comme étant liés à l'incendie.
Et par chance, l'un des voisins va voir les flammes s'échapper du domicile et prendre la décision d'aller vérifier que tout le monde est bien sorti et que cet incendie ne représente aucun danger. Lorsqu'il pénètre dans la maison, il tombe immédiatement sur l'enfant, âgé de seulement quelques mois, qui, je vous rappelle, a été abandonné sur le sofa par Yu, et il est capable de lui sauver la vie à temps. Et à partir de ce moment, les meurtres vont s'enchaîner à une vitesse folle. Le prochain crime va avoir lieu en décembre 2003, ce qui est totalement fou parce que je vous rappelle juste que Yu a été libéré de prison en septembre 2003. On est à ce moment-là en décembre et il a déjà commis un nombre incalculable de meurtres, et ce en seulement quelques semaines. C'est incroyable. Bref, en décembre donc, Yu rencontre une jeune femme qui se trouve être une escorte. Les deux vont plutôt bien s'entendre et très rapidement vont former un couple. Mais très vite, la jeune femme va découvrir le passé criminel de Yu, et je parle là des nombreux vols qui l'ont conduit jusqu'à la casse-prison, et pas des meurtres qu'il vient de commettre, car à ce moment-là, personne d'autre que lui n'est au courant de cela. Bref, elle apprend donc le passé criminel de l'homme et prend la décision de mettre fin à leur relation. Elle va même aller jusqu'à demander à Yu de ne plus jamais s'approcher d'elle, ce que l'homme va très mal prendre. Il accepte très mal ce rejet, c'est le moins qu'on puisse dire, et va commencer à développer une haine toute particulière pour les escortes. Il réfléchit d'ailleurs très longuement à la façon dont il pourrait la tuer. Mais après réflexion, il se dit qu'il est peut-être un petit peu trop proche d'elle et a peur que la police ne fasse le lien entre les deux. Et ce notamment à cause de leurs nombreux échanges téléphoniques et de leurs amis respectifs les ayant déjà vus ensemble. Il prend alors sur lui et est capable de canaliser son envie de tuer. Pendant un total de 2 mois seulement, car le 9 février 2004, il s'en prend à un vendeur ambulant de nourriture. L'homme travaillait dans un van au milieu de la nuit, dans une ruelle très calme, lorsque Yu est entré dans le van en question, l'a tué et a même mis le feu au véhicule avant de s'enfuir. Et en mars 2004, il commence à s'en prendre à des escortes. La première se trouve être une étudiante de 23 ans nommée Beiji Hai, qu'il va étrangler à mort et découper en morceaux, avant de disperser ensuite ses morceaux de corps sur un sentier à côté de l'université de Sogang à Séoul. Et un mois plus tard, il tue de nouveau un vendeur ambulant après que ce dernier ne lui ait vendu des pilules, lui faisant croire qu'il s'agissait là de Viagra, alors que pas du tout. Tout comme précédemment, il s'est introduit à l'intérieur du van de l'homme, l'a menotté avant de l'assaillir de coups de marteau jusqu'à ce que mort s'en suive. Il a ensuite, je ne sais pour quelle raison, découpé les mains de l'homme et les a placées à l'intérieur d'un sac plastique. J'ai aucune explication à la raison pour laquelle il a fait ça. Et il termine par mettre le feu au van et s'enfuir. Je suis obligée de m'arrêter et de faire une petite pause à ce moment-là parce que je trouve ça incroyable le nombre de crimes absolument terribles qu'il a déjà commis. Et la police n'a toujours pas la moindre idée de qui est le responsable. Ils n'ont aucun indice et à aucun moment ils n'ont même envisagé que Yu pouvait être le tueur. Et le pire, c'est que ça n'est pas fini. En mai de la même année, il s'attaque de nouveau à une jeune escorte de 25 ans, qu'il va réussir à attirer jusqu'à chez lui avant de la tuer à l'aide de son fameux marteau et de la décapiter. Il va alors enterrer les restes du corps de la jeune femme dans un parc non loin de chez lui. Et il est possible, je dis bien possible, car j'ai lu ça à quelques endroits, mais ça n'a jamais été vraiment confirmé. Mais il est possible donc que Yu ait conservé certains de ses organes à l'intérieur de son frigo. Et sachez qu'entre le mois de mai 2004 et le mois de juin 2004, ce ne sont pas moins de 8 escortes qui vont être tuées. Le nombre me paraît complètement incroyable. Yu va expliquer plus tard avoir à plusieurs reprises déjà ingéré certains des organes de ses victimes, et notamment leur foie, et avoir même à plusieurs reprises forcé ses nouvelles victimes à manger des organes de ses victimes précédentes. Une grande majorité des jeunes femmes tuées par Yu faisaient partie de la même agence d'escorte. Et c'est ce petit indice qui va finalement mettre la police sur les traces de Yu. L'agence va commencer à se poser des questions après les disparitions soudaines de plusieurs de leurs employés. Et après quelques petites recherches pour voir qui est la dernière personne ayant booké une soirée avec les victimes, c'est le nom de Yu Yong-chul qui va immédiatement ressortir. La police est donc immédiatement informée de cela et seulement 2 jours après son dernier meurtre, Yu se voit enfin arrêté.
Durant son interrogatoire, il va prétendre se sentir extrêmement mal, allant même jusqu'à jouer une crise d'épilepsie, et je dis bien jouer car il n'est en aucun cas épileptique. Les policiers, face à cette scène, ne savent absolument pas quoi faire et prennent la décision de lui ôter les menottes pour qu'il puisse respirer un petit peu. Ce qu'ils vont très vite regretter, car durant ces petites secondes de liberté, Yu va en profiter pour s'enfuir. Mais heureusement, sa petite escapade va être de courte durée, car après seulement 11 heures en liberté, la police va retrouver sa trace et l'arrêter de nouveau. Il va finir par tout avouer aux policiers et son procès va avoir lieu le 6 septembre de l'année 2004. Lors du procès, il avoue que si la police ne l'avait pas arrêté, il sait pertinemment au fond de lui qu'il aurait continué à tuer. Il va cependant s'excuser auprès des familles des victimes, comme si cela allait changer quoi que ce soit, et va expliquer s'en être majoritairement pris à des gens riches, et ce à cause de la souffrance qu'il a vécue dans son enfance du fait d'être pauvre, et à des escortes à cause de sa petite altercation avec sa copine, je sais même pas si on peut l'appeler vraiment sa copine, je pense que c'était plus sa fréquentation, qui travaillait elle-même dans ce domaine. Et après un procès de plusieurs semaines, c'est le 13 décembre 2004 qu'il est reconnu coupable de la mort de 20 personnes et est condamné à la peine de mort. Il est à ce jour toujours en attente de son exécution et sert sa peine dans le centre correctionnel de Séoul. La raison pour laquelle il n'a pas encore été exécuté à ce jour est tout simplement car la peine de mort a été suspendue en Corée du Sud. Il fait donc partie d'un groupe de 60 détenus sud-coréens en attente de se faire exécuter un jour ou pas d'ailleurs, dépendamment de la loi. Dans les médias d'ailleurs, il a été très rapidement surnommé le tueur au manteau de pluie car lors de ses meurtres, il revêtait bien souvent un ciré jaune ainsi qu'une casquette. Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour dédiée à Yu Yong-shul. Laissez-moi comme toujours vos avis et vos impressions en commentaire et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. N'oubliez pas de vous rendre sur le site des douceurs de JK pour découvrir la gamme en partenariat avec moi-même qui je suis sûre va énormément vous plaire. Merci comme toujours d'avoir été présent et on se dit à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!